Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Carhartt. J'ai craqué sur une des toiles sorties la semaine dernière. J'ai craqué sur l'appareil photo et c'est ma première Carhartt. Donc, on va découvrir ça ensemble. Donc, on a la toile et on a un washi et une boîte de cire en forme de cœur avec trois pains de cire. Et ensuite, la toile est emballée. Voilà, c'est donc l'appareil photo un peu vintage avec les tulipes. La toile, elle fait 50 par 35 et l'artiste, c'est Anna Petunova. On a 51 couleurs, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AB. C'est pas mal parce que vu la taille de la toile, 7 AB, c'est plutôt chouette. Donc, on va regarder ensemble ce que l'on a. Donc, on a déjà une feuille de route autocollante avec les petites étiquettes qui se découpent, voilà, qui sont indépendantes et qu'on peut coller sur nos petites boîtes. Voilà. Ça fait, les couleurs, ça fait très très vintage. Ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est du rond, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et on va regarder déjà les AB que l'on a. Je vais vous montrer quand même un petit peu les couleurs. Oups. J'essaie de. Est-ce que vous voyez bien? Non. Je vais les sortir. Alors, beaucoup de marron, de vert, de beige. On a quoi? Des orangés, des rouges, des jaunes. Automnal en fait. Alors les AB. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, comment c'est fichu? Ouais, ok. On a le numéro de la couleur, la DMC. Alors, on va commencer par le 45, c'est cette couleur-là. Ah, c'est joli. C'est un vert anis. Limite jaune, super joli. Et le symbole, c'est un petit N. Un petit N. Alors, il y en a ici, là, dans les tiges. Là. Ici, là, là, dans les tiges en fait. C'est ça. Non, que là. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc ça, c'est pour cette couleur-là. Ensuite, 46, c'est un jaune. Un jaune comme ça. C'est le petit A. Alors, on en a ici, là. Ah, mais vous voyez pas, attendez. Ouais, voilà. Donc ici dans les feuilles, ici, ici, pas mal ici, dans la tulipe, on en a là, là. Et c'est tout. Ensuite, on a le 47, c'est un petit rose. Donc celui-là, c'est
c'est le symbole, c'est quoi? J'arrive pas à voir. C'est quoi ce symbole? Je sais pas. Enfin bon, je vais le reconnaître, je pense. Ah oui, bah dans les tulipes. Hein, là. Dans cette tulipe-là. Dans celle-ci aussi. Et je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. Ensuite. Le 48. C'est ce rouge-là. Donc celui-là, ça va être dans les tulipes aussi, ici. Et ici. C'est tout. Ensuite, il y en a. Je trouve qu'il y a beaucoup de diamants quand même par rapport à ce que je vois à poser. Franchement, il va y avoir du reste. Hein, il va y avoir du rab, je pense. Hein. 49. Ah, c'est du. C'est quoi? C'est du 938. C'est un marron. Un marron AB. Celui-là, du coup, je pense qu'il va être dans l'appareil photo. Peut-être pas, remarque. C'est quoi? Le symbole. Deux petits losanges. C'est où? Je vois pas. Je ne vois pas. Deux. Eh bien, il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein, parce que là, non. Ah, si, là. Ah, en bas. En bas de l'appareil photo, là. Là, un petit peu là. Ouais, sur les contours. Ouais, il y en a très très peu, hein. Voilà, ensuite on a ce petit rose là, il est trop trop joli celui-là, ce nude là, abbé, il est magnifique. Donc celui-là, on l'a, c'est le pourcentage. On en a là, dans l'appareil photo, là, 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 c'est assez dispersé. Est-ce qu'on en a ailleurs? Ouais, un ici. Dans les fleurs, non. Ouais, si. On en a un petit peu aussi par là. Des petites pointes là de AB. Ouais, là. Bon. Ok. Et ensuite, on a le 51. C'est ce rouge. C'est magnifique. Et ça, c'est le R. Donc, je pense que ça va être dans les tulipes. Le R. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dans les tulipes. Là, et est-ce qu'il y en a là? J'en vois pas beaucoup, hein. Ouais, un petit peu là. Bon, mais je pense que franchement, ça va être pas mal. Ce que j'aimerais bien voir, c'est la dominante. Le fond, c'est quoi? C'est la flèche qui va vers le haut. C'est quelle couleur? De quelle couleur va être le fond? 37. Non, mais c'est ça. C'est ce beige là. Donc il va y avoir du beige. Et on a quoi? On a le checkmark. Ça va être quoi ça? Quelle couleur? Le 44. Ouais. Bah ça va être ces deux couleurs. Voilà, le fond, ça va être ça. Bah c'est. Petit côté vieilli, quoi, pour faire le côté vintage. Ça va être sympa. Et qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, attendez, on a autre chose pour le fond. On a le 28. Et ça. On a ça aussi pour le fond. On a un peu du L aussi en grande quantité. C'est quoi le L? C'est le 18. Voilà. Voilà, ça va être les couleurs du fond. Ben franchement, je pense que celle-là, je vais la faire très très vite en fait. J'aime pas commencer trop de toiles en même temps, mais je pense que celle-là, je vais la faire assez vite. J'ai débuté mon oraloa là, ma bubi, ma femme renard, mais je pense que je vais la laisser de côté et je vais faire ça parce que ben, Carhartt, je connais pas et j'ai hyper envie de tester. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!